Martine, combien vous avez de brebis? Je pense qu'il y en a 61. Bon, ben voilà. Donc, plus le bélier, ça, normalement, doit faire 62 prises de sang. Non, plus, il y a 4 béliers. Ah, il y a 4 béliers. Bon, alors 65 prises de sang. Des prises de sang par dizaines, par centaines et même par milliers. Presque 40 ans que Michel Aubert va et vient dans les fermes du Sud-Yvelines. Le temps passe, la satisfaction et l'épanouissement personnel sont intacts. Soigner ou prévenir les maladies des animaux. Ce jour-là, opération prophylaxie à la ferme de Grand Maison située à Chevreuse. Toutes mes prises de sang sont faites les unes après les autres. Mes tubes sont bien rangés, toujours dans le même ordre. Donc là, je sais que j'ai la première, là j'ai la 39e. Et les numéros sont notés sur des feuilles derrière, donc on ne peut pas se tromper là-dessus. 10% d'intervention à la campagne pour 90% en ville. Progressivement, la clientèle de Michel Aubert a évolué, une tendance de fond devenue problématique. Depuis 2015, sa quête d'un remplaçant français ou étranger se révèle vaine. Ses clients ruraux risquent ainsi de se retrouver sans solution dans quelques semaines. C'est au moins 3 semaines par an où on n'aura personne au niveau vétérinaire. Je ne sais pas comment on va faire, là vraiment, on ne sait vraiment pas comment faire. On espère vraiment que M. Aubert va trouver un remplaçant dans sa clinique. Hein. J'ai un autre élevage, par exemple, aux Essarts, où il y a 2 vaches. Là, mon client, je lui ai dit, mais... Il m'a demandé quelles sont les solutions. Je lui ai dit, je crois que la meilleure des solutions, ça va être de vendre des vaches. Évolution des mœurs ou des mentalités, les jeunes vétérinaires ne sont plus aussi disponibles que leurs aînés. C'est vrai que pourquoi il y en a qui feraient 35 heures et que les libéraux feraient 60 heures. C'est vrai qu'ils cherchent à conserver un confort de vie. Peut-être n'ont-ils pas tort. J'ai peut-être loupé des choses dans ma vie. Sa vie, Michel Aubert l'aura dédiée à parcourir les routes du Sud-Yvelines, entre intervention à la ferme ou en clinique à Rambouillet. 38 années passées au service des éleveurs de la région et des clients qui sont devenus avec le temps des amis. Pour mes clients qui ont déjà trouvé une solution, je leur dis, mais de toute façon, vous allez continuer à me voir, hein, parce que moi, je vais continuer à venir pour vous saluer, pour vous faire de la vente en direct, je vais continuer à venir acheter ma viande, acheter mes œufs, acheter mes yaourts chez vous, donc ça va continuer. Les amis restent. Et si les amitiés restent, Michel Aubert quittera, c'est sûr, la clinique et la médecine à la fin de l'année.